Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et j'ai manqué de mourir encore dans une tempête. Mais bon, c'est pas grave, on s'en sort, c'est ce qui compte. On continue à récupérer un maximum de résine, même si là pour l'instant on est full, je viens d'y penser, excusez-moi. Hop. Ok, il a pu la récupérer cette fois-ci, ok, pourquoi pas. Hop, on la place. Crac, ça nous fait un nouveau bâtiment, enfin un nouveau emplacement de bâtiment. C'est ce qu'on recherche, on a déjà. Imprimante, on n'a pas, par contre, si imprimante, on... non, on n'a pas. Fonderie, ça va être une nécessité pour l'instant. Par conséquent, il faut que je trouve du composite, composite que je n'ai pas ici dans mon entourage à l'heure actuelle. Ce qui est bien... Cache-à-couille. Et je sais que j'en ai pas mal autour de moi en ce moment, donc c'est pas une mauvaise chose. Le seul véritable souci, c'est qu'on a, on a pas vraiment beaucoup d'unités renouvelables. Mais quand je vois certains de nos objets, je me dis que ce n'est pas forcément une grosse nécessité. Ok. Voilà, j'en ai mis plusieurs en fait sur mon gun. Ok, cool. Enfin, sur mon déformo de terrain. N'appelons pas ça un gun, il n'y a pas de violence dans le jeu. Ok. Allez, vas-y, fais péter. Fonderie. Ok, cool. Bon, maintenant, utilisation de la résine pour continuer de l'autre côté. Cette résine, c'est pas un problème vu qu'on en avait trouvé juste ici. Alors, est-ce que j'ai utilisé celle qui était sur le gun? Oui, apparemment, oui. Tant mieux. Mais de savoir à quel comment il utilise un petit peu toutes les ressources que je transporte, c'est intéressant. Ok, donc apparemment, je ah oui, en plus, je suis full en termes de canister aussi. Donc, ça, faut qu'on pense à l'utiliser aussi. C'est bien en fait, on a plein de. On a plein de d'outils, enfin j'ai pas envie d'appeler ça des outils de farm, mais de capacité, enfin quoi que l'on fasse, on récupère, vous voyez, quelque chose qui nous est utile maintenant. C'est assez intéressant, je dois bien le reconnaître, c'est assez intéressant. Là ce sera peut-être de l'organique qu'on mettra ou pas. Ou pas, c'est lui, le marsupilami. J'imagine que j'en ai pas assez, ouais, ok, cool. On va aller voir si ça c'est... Ça s'est recréé au niveau de la capacité, vous savez, de notre, enfin de notre mine entre guillemets, de résine. Je suis curieux. J'ai pas vraiment les timers pour tout ça. Ça m'embête un petit peu d'ailleurs de pas les avoir. Mais bon. Au passage, sur nous on a de la. Ah, attendez. Alors, attendez, je vérifie quand même. Bon, apparemment, on a rien. Alors je vérifie si ça remplissait nos canisters, mais non, pas du tout. On a beau récupérer une espèce de forme de terre, ça ne remplit pas les canisters. Bon à savoir. Pourquoi tu veux lever la caméra constamment? Bon, c'est bon, problème résolu. Pas d'énergie, j'imagine que c'est ça qu'il dit, il demande de la résine par endroit. Ok. Ok, ok. La fonderie. Manque d'énergie. Ce n'est pas grave. Nous avons un petit peu de cuivre. Et surtout, une grosse quantité d'organique pour recharger nos batteries. Et ça, c'est une très bonne chose. Puisqu'on va pouvoir transformer ces deux cuivres en énergie et surtout... en solaire, et je sais pas si j'ai pas vu si j'avais balise, lampe, rallonge, solaire, j'ai pas de petit éolien. Ce n'est pas grave. Et par contre, je prendrai sans doute aussi l'inhibiteur mode qui permettra de récupérer unique. Mais non, même pas. Attendez, on verra. Faut pas gaspiller d'énergie, enfin de ressources. On va partir sur du solaire pour l'instant. On va peut-être en créer deux, un pour nous, un pour la base. Même s'il est petit, il sera toujours utile. Hop. C'est parti.
parti. Ça, j'aimerais bien le laisser. Je pense que je vais le laisser sur la base aussi. Parce que finalement, il ne nous aide pas vraiment. Ah, bah pourquoi tu veux pas le mettre sur le sac? Ça y est, hop, il a bien voulu. Parfait. Et donc là, nous avons de l'énergie solaire. Et ça, je peux vous assurer que c'est une très, très, très bonne chose. D'ailleurs, je viens de prendre le cuivre. Oui, pardon, excuse-moi, je suis en train de chercher déjà le panneau solaire que je n'avais pas encore construit. Excusez-moi, ça ne va plus dans ma tête. On en laisse un sur la base. Ça peut sembler inutile, mais c'est toujours ça de prix. L'expression, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? J'aimerais que nous créions l'imprimante 3D juste ici, de moyenne taille, hein. Parce que j'imagine que la petite, c'est celle qu'on a dans le sac à dos. Pour que nous puissions continuer à améliorer un petit peu nos systèmes de ressources d'énergie, tout simplement. Pour ce faire, même chose que d'habitude, résine. Et une fois qu'on a suffisamment de résine, on ira continuer nos recherches. Mais, on a vu qu'il n'y avait pas de résine de recharger là-bas. Ce qui est en soi un léger problème, sachant que je n'ai pas même pas d'échantillon de résine à l'heure actuelle pour placer dans le truc. Donc, on n'est pas encore parti par là. C'est peut-être le bon moment pour le faire. C'est parti. 4, 5, 6. Ah ah, je n'ai plus de rallonge. Et on peut voir que ça recharge automatiquement, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle. On va aller... Ça me rappelle un petit peu la musique de Daredevil, je suis désolé. Le thème de la série Netflix Daredevil. Je récupère du composite. C'est toujours une nécessité d'en avoir sur nous. Vous allez le ramener même aussi sec d'ailleurs à la base. Ok, on est bon. Ouais, je vais le ramener à la base, ça sera fait parce qu'on est, vraiment plein en termes de composite. Alors c'est bien parce qu'habituellement j'ai du mal à trouver du composite et plus de facilité à trouver de la résine. Dans cette partie là c'est plutôt l'inverse. Mais bon, on va pas se plaindre, ça reste une ressource extrêmement nécessaire. Facilement farmable sur le mid game et le end game, mais extrêmement nécessaire. Bah alors, perds pas la main. Hop, crac. Alors c'est cool, maintenant il place des choses directement sur le... Hop, on est bon. Sur le gun, mais bon. En termes d'espace, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace. Alors, je pense qu'on va aller récupérer, vérifier s'il y a des choses à récupérer. Et entièrement refermer. J'ai rempli un... Enfin, pas refermé, pardon, mais surtout récupéré nos rallonges qui n'étaient pas partis dans la bonne direction, vous voyez. C'était dirigé vers le... Et selon moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Hop. Un peu plus de résine encore par là. De composite. On va pas le prendre tout de suite, je pense. Ce serait une perte de temps. Il nous reste encore suffisamment de résine en plus. Enfin de composite justement pour faire des rallonges. Donc on est plutôt bon. Ah. Hop là. Est-ce qu'on voit de la résine dans le coin? Justement non. Par contre on a encore masse composite. Hein. C'est impressionnant. Habituellement c'est vraiment l'inverse. Aha. Quelque chose là-bas. Oups. Ok, on va s'arrêter là, on va en créer une. Enfin, d'autres, pardon.
On va aller voir un petit peu ce que nous avons là-bas. Alors, par contre, on aura des problèmes pour nous déplacer. Même en comptant les secondes, ça vous suffit. Hein. Enfin, en comptant, quand vous avez pris le rythme de vos pas, c'est encore plus simple. 4, 5, 6. Ok. C'est parti. Fouillons, chers amis, fouillons. Je crois avoir du lithium en haut. Et non, c'est tout ce qu'il y a, je suis un peu vexé. On y va. Ah non. Ce n'est pas tout. Alors, je vois plus du tout ce que je fais, c'est génial. Et je viens de bugger, non, c'est bon. Il faut que je me dépêche. Parce que là, ça va plus. Je suis vraiment dans un endroit à la con. Et je suis dans l'incapacité d'en sortir. Ok, c'est bon. Je récupère le lithium. Voilà. Je check vite fait ici s'il y a quelque chose. De la résine, je prends. C'est un peu piège, hein. Puisqu'on ne voit pas grand chose dans le coin. Et que la caméra se moque un peu de nous. Mais bon, je pense que j'ai tout récupéré. Ok, cool. Ça, c'était très, très, très fructueux. Il manquerait plus qu'on tombe sur un objet capable de faire de la recherche dans les alentours. Et on serait extrêmement chanceux. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. De toute façon, vu ce qu'on a trouvé là-dedans, honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Il faut vraiment que je range cette amélioration à la base. En termes de cuivre, on a besoin de quoi d'autre pour le cuivre? Alignement, module étroit, module large, inhibiteur, analyseur de terrain. J'ai presque envie de prendre, de faire le module large pour récupérer plus facilement, vous savez, des composants. D'ailleurs, en parlant de récupérer... bien re-remplir, voilà, mon truc. Et on repart. En tout cas, ça n'a pas été méga fructueux en termes de résine. Mais pour ce qui est du reste, on a vraiment été assez chanceux. Surtout pour les deux lithium, je crois qu'on a. Ça, c'est une grosse bonne nouvelle. Surtout si on fait de la recherche, en fait, je pense que le lithium pourrait nous permettre de tomber sur des systèmes énergétiques intéressants. Enfin, de crafter des systèmes énergétiques intéressants. Et ça, ça va être la vie. Bon, on s'en sort plutôt bien. Et vous voyez que là, c'est la base qui nous recharge, je crois. Enfin, qui nous a rechargé un petit peu au passage. Donc, encore une fois, on a vraiment bien géré notre système énergétique pour le moment. En tout cas, pour ce qui est de quand il fait jour. Ok, bon, bonne nouvelle. Aluminium, organique, organique. Cool. Cool, 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 cool. Est-ce qu'on était parti bien droit ou... Ah non. C'est pas moi qui ai fait ça. Une de plus. Il va me falloir encore 3 résines au total. Ok. Ok, ok. On n'a pas l'imprimante, donc pour l'instant c'est un peu de la daube. Surtout en termes de rangement, vous voyez que je range un petit peu n'importe où, n'importe comment, là où j'ai de la place finalement. Je vais quand même caler un module ici. Non, non, tu peux revenir, mais j'ai juste besoin du lithium, s'il te plaît, merci. Voilà. Hop. Par contre, tu peux le ranger, y a pas de souci. Je vais simplement caler. J'aurais pas dû utiliser la résine, l'échantillon de résine que j'avais. J'ai été con. J'ai été con. Complètement con. Mais c'est pas grave. Ok. Bah si ça repousse en plus dans les trous, moi je dis pas non, hein, mais...
Bon, y a rien dans le coin. Ça me fera un puits, hein. Un petit puits si jamais ils ajoutent des liquides genre eau ou tout ça. On verra. On verra. Là, ça devait être autre chose que ce que je cherche tous les coups. Faut vraiment que je trouve un minimum de résine, là, pour le coup. Ne serait-ce qu'un échantillon. Et après, je creuse. Y a pas de souci. Et apparemment, c'est pas prévu, hein. Même là-bas, c'est du composite. Et là, la résine ne veut pas repousser. Génial. Du composite, c'est la fête du slip. Ouais, des ennemis en pleine... En plein soleil maintenant. Enfin, en pleine surface. Faut appeler ça la surface. Pas de composite du tout. Hein. De résine du tout, pardon. Si en plus je commence à me planter. Eh oui, j'y vais, je vais chercher de l'oxygène, t'inquiète pas. Regarde, il y en a même un petit peu là, si je voulais. Ah bah ça m'a pas servi du tout. Ça a à peine rechargé. Bien, bravo. Je m'applaudis pas. Ok, bon, on part par là, on va bien voir. Hein. Là, il n'y en a pas. Même un échantillon, j'ai pas. Cette tristesse, quoi. Cette grosse tristesse. Ok. C'est la tristesse. Y a pas d'autre mot, ça peut être que triste. Et en plus, je n'ai pas de réponse. Ok, cool. On va aller en chercher alors, c'est pas de souci. On va aller en chercher. Voilà, il y en a juste là. Regarde ça, Marcus. Si t'as pas de la chance avec tout ça. Hop. On est bon. Tout se passe bien. On n'a aucune raison de se plaindre. Aucune raison de rager. Et pourtant, parfois, des épisodes sont passés non annonceur ready, quoi. Non, arrête de vouloir tout tourner tout le temps. Voilà. J'ai déjà rempli un truc, en plus. What? J'avais pas fait gaffe. Allez, on part par là. Elle passe à côté, celle-là, on est d'accord. Putain, elle me vient dessus. Ah, quand t'as pas de bol. Mais il y en a une toutes les 20 minutes. C'est la même qui fait le tour ou quoi? Non, c'est bon, elle me passe pas dessus. Elle me passe pas dessus, c'est bon. Si? Non, elle s'en va. J'arrive pas à savoir. Elle s'en va, j'ai l'impression. Elle s'en va. Cool. Merde, je suis trop loin. On va la suivre. Pas de résine. Ah, putain, de la résine. Même un échantillon, ça va être utile. Allez, un petit dernier. Parfait. Voilà. C'est tout bon. Je vais juste regarder. Petite astuce à la con. Je referme ce truc là. Je vais juste utiliser en fait mes... Enfin, petite astuce, tout est relatif. Hein. Voilà. J'utilisais toutes mes rallonges, comme ça j'ai un espace en plus pour récupérer l'échantillon. Là j'ai tout à fait... j'ai exactement 3... pardon, excusez-moi, résine sur moi. Et en fait de ces 3 résines, je vais me servir pour avancer dans la base toujours.
Mais la dernière, voilà, celle-ci va me servir bien de d'échantillon pour reconstruire, vous savez, d'autres résines. Surtout que là, j'avais ramené deux canisters, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, le seul point négatif que je vois de cette mise à jour au niveau des canisters, c'est des bobines, c'est qu'on risque de défoncer entièrement le sous-sol de la base. Et le jour où ils vont rajouter une physique disant que voilà, il y a des écroulements, si ça un jour ça se rajoute, bah écoutez, ça va être une catastrophe nucléaire, hein, tout va se casser la gueule, littéralement. Hop, vas-y. Et voilà. Là, je vais avoir masse résine en cas de besoin. Donc là, maintenant qu'il est chargé, je vais le laisser. Je vais véritablement le laisser. Hop. Alors, du coup, j'en rajoute une. Et c'est celle-là qui deviendra la nouvelle station. C'est dommage, elle sera complètement en sous-sol. Moi qui dis que j'adore casser le terrain, je suis servi. Alors j'ai pas l'augmentation pour augmenter la puissance, pourtant j'en ai l'impression. Voilà, disons que c'est bon. Et donc nous allons faire l'imprimante qui nécessite deux cuivres. Cette blague. Un de cuivre, mais c'est pas ce qu'on va faire. Je suis désolé. Finalement, je vais reprendre ça. Je vais te demander. Ah non, finalement, si, on va laisser ça comme ça. C'est peut-être pas plus mal, finalement. Et on va aller les mettre, les cuivres. Vu que j'en ai un de plus, en tous les cas, ici. J'en ai vraiment un de plus. Mais j'en ai un de plus. Au cas où, si je veux en refaire. Si jamais j'en ai besoin, en fait, pour reconstruire quelque chose avec l'imprimante en question. Mais bon. Hop. Pas d'énergie. Oui, ça va venir, t'inquiète pas. Je vais mettre de l'organique à pousser, si tu veux. Tu veux bien me sortir mon gun? Merci. Vas-y. Hop. Voilà. En plus, le soleil vient pour rajouter un peu de puissance. Si ça, c'est pas le bonheur. Moi, j'ai envie de vous dire, il est où le bonheur? Il est où? Voilà. Donc, place à ciel ouvert 1, forêt, panneau solaire. Place à ciel ouvert 1, forêt, panneau solaire. Ok. Pour le panneau solaire, justement, voilà, il nous faudra 2 cuivres. C'est une blague. C'est une farce. Surtout que j'en ai véritablement 2. Mais je vais pas en utiliser 2. Hein. Clairement, là, je vais poser mon cuivre. C'était pas le cuivre que j'ai récupéré, c'était de l'aluminium. Je vais me faire foutre avec mon cuivre. Voilà, il est ici. Je vais poser mon cuivre. Bah non, je suis con. C'est pas le cuivre que je vais aller poser. Ah, mais ça va rentrer, hein, je vous assure, ça va rentrer. C'est ce qu'elle dit, c'est ce que je leur dis toutes. Il me semble qu'on avait dit que c'était de la malachite. Je regarde la forme. Ouais, c'est de la malachite. C'est de la malachite. Bah écoutez, chers amis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher de la malachite dans le prochain épisode, et puis on se retrouvera dans celui-ci pour tout simplement améliorer cette base. Je trouve qu'on avance plutôt vite par rapport aux premiers épisodes de l'autre, même si on fait des épisodes assez courts. Je préfère que ce soit assez court et que ce soit plus simple à regarder, vu que la série est assez poétique à regarder, j'imagine. En tout cas, les images, oui. Moi, ce que je dis, non, forcément. Mais je vous laisse avec ça et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens!